Salut à tous, bienvenue sur KO Gaming, c'est KO. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 19 sur le monastère de Barkang. Enfin, le monastère de Barkang, sur Tomb Raider 2, excusez-moi. Le niveau, le monastère de Barkang, donc la partie 3. J'espère la dernière. Hein. Bien que il me reste deux roues de prieur à trouver sur les 5 de base. Donc, sachant qu'il y en a une, je pense savoir comment faire. On va réescalader la statue qu'on avait fait dans il y a deux épisodes précédents. Parce que cette fois-ci, on a la fameuse pierre précieuse à mettre dans l'encoche. Et je pense que ça va nous donner la quatrième roue des prieurs. Par contre, la cinquième, j'en ai aucune idée pour l'instant. Il va falloir que je m'imprègne. Alors évidemment, vous vous doutez bien que je filme directement à la suite du précédent épisode. Mais bon, ouais, je sais pas du tout. Pour l'instant. Hop. Alors là, pas de problème. Ah oui, faut pas que je fasse n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Voilà, l'encoche, elle se trouve là-haut. Hop. Allez, la pierre précieuse, on la met. Non, pas le séraphe, merci. La petite pierre précieuse qui se transforme en gros truc. Ah oui, c'était en bas, c'était en dessous de la statue. Si vous vous rappelez bien, il y a deux épisodes précédents, j'avais été faire un tour. Et je trouvais cette trappe là, juste en dessous de la statue. Je disais, ouais, on verra plus tard, ça peut être intéressant de trouver les trucs fermés avant, comme ça quand ça s'est ouvert, et ben on sait où c'est. J'ai failli pas me rappeler, cela dit. Hein. Voilà. C'est juste en dessous. Hop, c'est beaucoup plus facile de descendre. Hop, coucou. Parfait, c'est ça. Bien. On va sauvegarder. Qui sait ce qui nous attend en bas? Je le sens pas, personnellement. En plus, on peut pas remonter. Oh, il y a une petite lampe, c'est trop chou. Ok, il y a un passage ici. Ouais, c'est méga sombre ici. Ok, on remonte. Je suis un peu perdu là. Ah, mais regardez, on est là où il y a le levier là. On va pouvoir vider le bassin. Non, ça ouvre une porte. Ça a ouvert cette porte. D'accord, là c'est là où l'eau descend qui remplit la piscine en fait. Si je comprends bien. Mais là ça la remplit, ça la vide pas. Ah d'accord, j'ai compris l'histoire. Faut mettre la caisse juste devant le tas d'eau là. On se demande d'où ça sort d'ailleurs le tas d'eau. Pourquoi elle veut pas tirer? Je vais pas tirer? C'est pas ça. C'est pas ça. C'est bizarre quand même. J'ai le souvenir que c'était ça. Ah ok, bon, elle veut pas tirer, mais elle veut pousser. Pas chercher à comprendre. Et voilà. Ça s'arrête de couler. Voilà, on voit que l'eau est coincée par la caisse, donc ça ne coule plus. Et du coup, bah, ça a vidé la piscine. Putain, ça vide la piscine d'une vitesse incroyable. Allez, bon bah, du coup, on va y aller tranquillou Ça va, ça passe. Et du coup, on va pouvoir se débarrasser de cette caisse.
Ouais, avec le bruit des pièges de l'épisode précédent. Et là, il y a un petit passage à gauche. Et la quatrième roue des prieurs, elle est pour nous. Voilà, bon, bah, il nous en manque une. Et là, je sais pas du tout. La seule. J'ai deux pistes. Soit c'était le balcon. J'ai pas essayé de tenter le saut après la trappe que j'avais ouverte avec une clé. Rappelez-vous l'épisode précédent. Ou alors c'est dans le bassin piégé. Vous vous rappelez peut-être il y a deux épisodes précédents où j'avais montré un bassin avec des bulles au centre et vous avez dit qu'il fallait y aller sous aucun prétexte. Mais est-ce qu'il faut pas y aller en passant sur les côtés pour aller dans le passage? Parce que franchement, à part ça, je vois pas. Hein, donc j'ai ces deux solutions. Quatre roues des prières, ouais, il me manque une. On va tester l'option 2 quand même, parce que le... Ouais, allez, on va tester l'option 2. Parce que j'ai quand même un doute. Hein. J'avais dit qu'il fallait pas y aller du tout, mais... dans aucune des manipulations qu'on a faites, on a actionné un levier qui permet d'arrêter ces bulles, enfin ce courant de merde. Donc bon, on va essayer. De toute façon, j'ai pas d'autre solution. Enfin si, le balcon là, mais ça me paraissait très très loin quand même. Je sais que Lara saute loin, mais c'est pas non plus une surfemme. On pourrait croire, mais bon. Allez, ouais, bah, c'était là où il y avait la bouliche. Et donc là, c'était à gauche. Parce qu'à droite, si vous vous souvenez bien, on avait poussé une caisse. Bah, je vais vous montrer, pour ceux qui se rappellent plus. Ici, on avait poussé une caisse, et c'est tout. À gauche, il n'y a rien. En haut, il n'y a rien, on ne sait jamais. Voilà, il y avait une caisse juste là, et je l'avais poussée d'un cran. Et évidemment, on ne pouvait pas la tirer. Et j'entends les pièges encore qu'on avait déjà actionnés. Donc, ouais. Ouais, il y a une salle de l'autre côté, mais je suis bloqué, donc... Cette caisse, on va la retrouver, c'est sûr. On a interagi d'aucune façon avec elle, donc c'est sûr que ça, on va pouvoir interagir avec. Donc là, bassin piégé, quoi. Je ne vois pas d'autre explication. Putain, j'ai cru qu'il y avait un rat là. Mes yeux ont bugué. Alors, ce fameux bassin là. Je vais bien passer sur le côté. On verra bien. Je vais sauvegarder avant parce que ça, c'est. J'étais quasiment certain qu'on ne pouvait pas s'en sortir ici. Donc, je vais pas y aller sans précaution. Je prends bien mon élan, ça fera toujours ça en moins nager. Oh putain, le courant de fou. Allez. Putain. Je suis pas loin. Allez, rentre. Oui. Alors je sais pas si j'ai glitché ou si c'était vraiment ça qu'il fallait faire, mais... C'était quoi ça? Ah, le voilà, le fameux balcon où je voulais sauter là. Ben voilà, mes deux options se rejoignent en fait. Donc c'est parfait. Oh putain. Oh, j'ai failli crever. Ah, ça me rappelle la tombe de Teokan. Ça
savez, quand enfin la fin de la citerne où on changeait de niveau. Bon bah au moins on est tranquille. Putain, on passe la lumière du jour à un souterrain. Bon là, autant dire que sans torche, c'est pas la peine. Putain, il y a encore des pièges de merde, mais c'est pas possible. C'est un enfer ce monastère. Et tout? Oh, il y en a encore. Allez, allez. Ouais, c'est bon. La troisième, ça passe. Ce sera tout. Allez, on va arrêter de se tremper les pieds et on va remonter. J'espère dans un endroit un peu plus lumineux que ça. Alors, oh! Un moine. Un moine qui se fait tirer dessus. Et je ne sais pas où. Ah ben voilà! Je suis sûr que c'est cette caisse-là qui est coincée. Oh merde! Et il est où le moine? Tu as tué le moine! Une trousse. Ouais, je suis sûr que c'est cette caisse que j'ai poussée et du coup elle a dû se caler contre l'autre. Et on va la retirer une seconde fois. Alors, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Donc voilà. T'es coincé par cette merde. Et en plus, y a rien en dessous. Putain, si ces moines apprenaient à ranger leurs caisses convenablement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh putain! En plus, c'est un fou mitrailleur là. Oh la vache! Tu m'étonnes qu'il soit mort là, tout seul. Sérieusement, quoi. Puis il a que dalle en plus. Putain, c'est celui qui enlève le plus et. Bon, tant pis, hein, j'ai la flemme de la ramasser. De toute façon, elle va vite s'éteindre, je pense. Bon, ça pue les flammes, ça. Qu'est-ce que c'est encore? Mais foutez-moi la paix! Je veux juste monter! Voilà. Ah ben voilà la cinquième. Allez. La dernière. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Et comment je fais pour passer, moi? Bah ouais, tu m'étonnes. Ah, j'aime bien les corps, ils ont disparu. C'est bizarre ça. Ah ouais, là, il va falloir qu'on m'explique comment je passe là. Putain, j'ai plus que les flammes. Et après, le niveau, ça y est, hein, c'est torché quoi. J'ai plus que ces deux petites vagues de flammes et terminé. Là. Et là. Très bien. Allez, on se casse. On a les 5 roues des prieurs. Il n'y a plus qu'à les foutre bah, dans la salle. En bas, à côté de la statue. Mettre les 5. Et je pense qu'on en aura terminé avec ce niveau de fou. Putain, 3 épisodes, hein, quand même. On a combien? 15 minutes. Bon, ce sera un épisode un peu plus court, mais bon. Ouais, c'est toujours pareil. Si j'avais mieux découpé les épisodes, ce serait passé mieux, mais bon.
Je peux pas deviner quoi. En plus, il y avait des éléments dont je me rappelais plus, donc forcément, c'est compliqué de calculer quoi. Très compliqué. Donc il y a un niveau plus long que ça dans Tomb Raider 2. Et oui, ça existe. Et ce niveau-là, c'est ma hantise de ce jeu. Je sens que je vais en chier. Mais un truc de fou. Bon, c'est pas le niveau d'après. C'est pas. Enfin, on a encore un peu de temps hein, avant d'y arriver, mais bon. J'avoue que c'est celui qui me fait le plus chier, quoi. C'est un très bon niveau, hein, mais très difficile, quoi. Très difficile et très long. Bon, mais enfin, on n'en est pas encore là, hein. Là, on se dirige vers la fin du monastère. On a fini un niveau long. On peut en être fier. Parce que c'est vraiment pas facile, quoi. Allez, on va mettre toutes ces roues. Ça va mettre un peu de temps, mais bon. Waouh! Ça me rappelle la grande porte qu'on ouvre à la fin de l'obélisque de Khamon. On met les quatre éléments à côté du sphinx là. Ça nous montre toujours la porte. Et tant qu'on n'a pas les cinq, ça ne s'ouvre pas. Enfin, c'était les quatre dans le Tomb Raider. Et là, c'est cinq. En tout cas, elle était bien gardée cette porte là. Putain, qu'est-ce qu'il y a là derrière? Et la dernière, c'est ici que ça se passe. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette salle? Ah, ben voilà. Nous sommes arrivés à l'entrée du temple secret du monastère de Barkang. Donc vous voyez, il y a une petite encoche ici où on va mettre le séraphe, le fameux séraphe qu'on a trouvé dans l'épave du Maria Doria. Notre expédition sous l'eau, juste ici. Et ça ouvre une petite porte de merde. Alors je m'attendais à ce que ce soit la grosse roue qui se dégage. Mais voilà, notre expédition sous-marine nous ouvre cette petite porte. Voilà, donc 1h15, on a les trois secrets, 11 victimes, c'est tout? Ah ben oui, j'ai laissé les mecs sans charge à ma place. 3 trousses et demi, c'est énorme. Munitions utilisées 420, tir au but 374, distance parcourue 6 km 86. On a parcouru plus de kilomètres dans le monastère que dans toutes les collines tibétaines, quoi. Voilà, allez, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, à donner vos impressions, à m'envoyer des messages, bref, plein de choses. Je suis très actif. Je partage mes vidéos sur le site actugame.fr, je vous le conseille vivement. Ce site est plein, rempli de youtubeurs qui demandent qu'à être connus, donc je vous encourage à le faire. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à la prochaine, bah, pour le prochain niveau de Tomb Raider 2. Salut les amis!